existe non pas une paix, mais plusieurs niveaux de paix. Je vais maintenant céder la parole à Gérard Onesta. Je pensais être porteur d'une bonne nouvelle, celle du Parlement européen. La politique peut nous sortir de ça. La politique, c'est l'art de trouver les mots justes. Député européen, vous êtes Premier ministre. Retenez bien ceci, la victoire n'est pas la paix. Le compromis n'est pas la défaite. La paix de compromis, c'est le contraire de la victoire. Pour la faire, il faut bien se connaître. Je dirais même que si on arrête les combats sans penser à changer les choses, on favorise le retour de la guerre. Combien de temps va-t-il falloir attendre? Toute société génère des conflits, toute société et tout conflit ne génère pas de la violence. Comment passe-t-on du conflit élément normal, du conflit contradiction, à un phénomène de violence physique, qui est a priori un élément anormal? Pour qu'une violence physique s'exprime avec une certaine force dans une société, et s'exprime avec une certaine continuité, elle doit être soutenue par deux autres piliers. La violence structurelle, mais aussi, et peut-être surtout, violence culturelle. Il faudrait appliquer une théorie dite des 3 R. 3 R pourquoi? Parce qu'il faut la réduction de la violence et la reconstitution du dialogue, la résolution du conflit et la reconstruction politique, la réconciliation des acteurs et la reconstitution du lien social à l'intérieur de la société qui a connu la violence. Et ce jour-là, le Parlement européen a dit oui, il faut aider, et c'est rarissime que le Parlement européen ose se mêler. Certains ont fait des batailles de procédure en disant « Vous n'avez même pas le droit de vous mêler, c'est une affaire interne de tel État ou tel État ». Le Parlement a osé se mêler d'une affaire qui ne le regardait pas, ou plutôt qui le regardait terriblement, puisque c'était le sort d'Européens, les Européens que vous êtes. Donc j'ai mis sur la table, avec quelques collègues, nous étions peu nombreux au départ, une recette à 5 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la non-violence. Le deuxième élément, c'était de dire « Il faudra que ce débat, cette rencontre, ce processus soit sans exclusive ». Il ne faudra pas commencer à dire « on invite qui on veut autour de la table ». Non. Dans un processus de paix, par définition, au début du processus, ce sont des ennemis qui s'assoient autour de la même table. Bien des négociations échouent, bien des conflits perdurent pour des raisons ou le choix de la violence. L'idée qu'un peu plus de sang améliorera le rapport de force ou le respect dû à la loi ne sont pas seules en cause. Et où la fausse manœuvre, l'erreur de procédure, l'oubli de principes de pilotage évidents jouent aussi un grand rôle. C'est là, peut-être, que je peux vraisemblablement apporter quelques réflexions utiles. J'avais prévu de vous proposer mon regard tout neuf, presque vierge, sur le problème basque en 4 parties. Où en sommes-nous et pourquoi? Ça a bien commencé quelque part. Les conditions de la paix dans un conflit asymétrique. La paix n'est pas la réconciliation. Et conduire la négociation.